Dans sa vision de soutenir les femmes, la jeune chambre Bamako Espoir lance une nouvelle phase de son projet Femmes Leaders, Femmes Entrepreneurs. Une vingtaine de femmes de la commune 5 de Bamako de 18 à 40 ans bénéficieront d'une formation qui s'étend sur un mois. Femmes Leaders, Femmes Entrepreneurs, c'est venu après bien sûr plusieurs constats. Et c'est depuis 2013 que les membres de Bamako Espoir y ont pensé et l'ont créé pour but de faciliter l'autonomisation de la femme à travers bien sûr des séances de formation et théoriques et pratiques afin de les permettre de créer leur entreprise et d'avoir bien sûr un bénéfice sur ces entreprises-là. En 4 week-ends, ces dames vont s'être formées en plusieurs modules dont l'entrepreneuriat, le leadership, la transformation agro-business et entre autres. Ce programme est financé à plus d'un million 500 000 francs CFA par des partenaires de la JCI Bamako Espoir. Les bénéficiaires peuvent être des femmes ayant déjà une entreprise ou celles qui ambitionnent d'entreprendre. Et ça cadre parfaitement aussi avec les objectifs du mandat 2023 initié par la Jeune Chambre internationale Mali. L'avenir est assuré d'autant plus que ces jeunes ont une vision. Et c'est cette vision-là qui va leur permettre de voir les préoccupations aujourd'hui qui sont celles du pays pour que ces préoccupations-là soient traduites en solutions pour que nous puissions assurer un avenir meilleur. Je suis en effet, car je suis là, je n'ai pas eu de problème. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, parce que je suis là. Donc, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Musokunda akadam ne demseni santani shege kase fo sambina nyokona ma ayi dunya ye ka fo kunye musokulen deme abuko mi ye sida kilen deme ka jamana kilen deme. La jeune chambre Bamako Espoir entend exécuter plusieurs autres programmes au cours du mandat 2023, comme le projet de Vivre sans hépatite, Espoir Business School et l'opération Tabaski qui consiste à offrir de la viande aux nécessiteux.